Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le roi. Il est Seigneur et il est vivant. Gloire au Dieu très haut. Gloire à celui qui nous a sauvés. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il est vivant, il est Dieu. Il est vivant, il est Seigneur. Le rédempteur des vies brisées. Le réparateur des vies brisées. Il est Seigneur, il est vivant. Sa parole dit dans Malachie chapitre 3, le verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les temps nouveaux dans notre vie. Merci pour l'école de la vie. Merci pour le brisement. Merci pour le renversement des forteresses. Merci Seigneur, car tu avais signé le décret dans notre vie. Personne ne peut annuler ce décret. Même pas Satan, ni nos amis, ni nos proches. Personne, ni les circonstances de la vie, ni les soucis de ce monde, personne, rien ne peut annuler ce décret, Seigneur. Tu m'as pris de loin, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit ce soir, Seigneur, souviens-toi d'où tu m'as pris. Tu m'as pris de loin, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne vais pas arrêter en chemin. Je vais continuer jusqu'au bout avec toi. Ce soir, il y a quelqu'un, Seigneur, une femme de foi, un homme de foi, Seigneur, qui est là, orienté vers la croix, qui se demande, oh, combien Dieu est bon, combien il m'a aimé, combien il m'a sauvé, combien il a vu ma vie. Merci, Seigneur. Ce soir, Seigneur, il y a quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur de sa vie et qui compte les bienfaits de Dieu et qui pleure. Ce ne sont pas des larmes de regret, mais des larmes d'émotion, des larmes de joie. Quel Dieu merveilleux qui s'est sacrifié pour moi. Il m'a aimé, il a pris ma place à la croix. Là où j'étais exclu, il m'a recadré, il m'a sélectionné. Quel Dieu vivant. Je croyais qu'il était seulement le Dieu de Malachie, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Israël. Mais il est aussi mon Dieu et il continue à agir avec moi. Le Dieu de ma vie. Grâce à son nom, j'ai l'assurance. Grâce à son nom, je suis sauvé. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, béni soit ton nom. Bénis ces instants, Seigneur. Il y a des gens de toutes sortes ici, Seigneur, de toutes catégories. Laisse que tu visites ton peuple. Les paralytiques sont là, les aveugles, les boiteux. Seigneur, laisse que tu visites ton peuple. Et il y a aussi un pécheur qui est ici. Quelqu'un qui veut vivre la repentance avec toi. Laisse que tu visites ton peuple. Tu nous as appelés à l'évangélisation, à la mission, à prêcher ton nom, Seigneur. Et moi, je crois au miracle. Je crois au mystère du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, au brisement. Je crois à l'école de Dieu. Je crois, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Je crois que tu es sauveur. Tu es Dieu et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant et nous croyons que tu es présent ici, au milieu de nous, Seigneur. Que ton règne vienne. L'Église dit ce soir que ton règne vienne. Viens, Seigneur. Bouleverse-nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Fais-nous comprendre les choses cachées. Durant ce séminaire, Seigneur, que la main de Dieu agisse. Durant ce séminaire, Seigneur, que tu touches les vies. Durant ce séminaire, que tu visites les vies. Durant ce séminaire, que le ciel tombe. Durant ce séminaire, Seigneur Jésus, que tu parles. Que tu parles, Seigneur, que tu parles. Que tu parles, Seigneur, que tu parles. Mes larmes coulent, Seigneur Jésus, parce que je n'ai jamais cherché d'être prédicateur. Mes larmes coulent, Seigneur Jésus, parce que je n'ai jamais cherché, Seigneur, de faire ce ministère. Mais tu m'as appelé, tu m'as dit, j'ai dit, laisse tout.
parce que tu savais qu'il y avait un peuple derrière ce téléphone. Il y a un peuple, Seigneur, qui attend que tu parles. Maintenant, puisque tu es le Dieu qui m'a appelé, tu m'as brisé, tu m'as privé de tout, Seigneur, de ma vie. Tu m'as privé de ma jeunesse, Seigneur. Laisse que maintenant que ces gens-là sachent que Jésus-Christ est vivant. Laisse que ce peuple réalise, Seigneur, que ta parole est vivante, qu'elle agit encore. Laisse que ce peuple réalise, Seigneur, que celui qu'on a crucifié à la croix, qu'il est ressuscité, que Dieu l'a fait, Seigneur, qu'il est vivant. Laisse que cette famille réalise, laisse que ce couple réalise, laisse que cette femme, cet homme, ce jeune réalise que Jésus-Christ est vivant. Il y a beaucoup de mensonges que Satan a plantés dans nos cœurs. Seigneur Jésus, pardonne-nous, même nous l'Église, Seigneur, nous n'avons pas rendu service quelquefois. Maintenant, nous te disons, prends ta place, Seigneur, prends ta place, Seigneur Jésus, prends ta place. Et parle à ton Église, Seigneur, parle à ton peuple. Tu avais dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Seigneur Jésus, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Rends-nous attentifs, sensibles à la voix de l'Esprit. Nous voulons parler du mystère de la guérison. Seigneur, viens, au nom de Jésus. Lave-nous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce séminaire. Que Dieu vous bénisse. Prends ta Bible. Aucune vérité sans la parole. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Pas de vérité. Le ciel ne s'ouvrira jamais sans la parole. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Luc chapitre 4, le verset 31 à 37. Nous parlons, bien-aimés, du mystère de la guérison dans le contexte de Luc. Le mystère de la guérison chez Jésus dans le contexte de Luc. Dans l'évangile de Luc, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, tu prends ta Bible, bien-aimés. Nous avons parlé dernièrement de l'initiative de la guérison. Quand le ciel doit guérir, quand Jésus-Christ a guéri, bien aimé, quand nous lisons dans l'évangile, l'initiative de la guérison, cela venait de trois personnes, soit de Jésus, soit du malade lui-même, ou des tierces, c'est-à-dire les parents ou les amis qui ont intercédé, qui ont prié à Jésus de donner la guérison. L'initiative de la guérison vient de trois personnes. Soit de Jésus lui-même qui a eu compassion, qui a pitié, sans pourtant que toi tu demandes, mais Jésus constate, il a pitié et il vient vers la personne. Soit du malade qui vient comme Bartimée qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ou soit des parents qui ont prié, Seigneur, regarde, agis. Alors bien aimé, nous allons voir dans le livre de Luc, nous allons voir bien aimé, tous les textes là où Jésus a guéri. Alors voyons d'abord l'initiative de la guérison venant de Jésus. L'initiative de la guérison venant de Jésus. Et nous allons voir le cas du démoniaque dans la synagogue de Capernaum. Luc chapitre 4, les versets 31 à 37. 31 à 37. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, un esprit impur, et qui s'écria d'une voix forte. Les démons s'écria d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es,
Tu es le Saint de Dieu. Et Jésus menaça ces démons en disant, il menaça ce démon en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons dans ce texte, bien-aimé, Jésus qui rencontre un homme qui était emprisonné par un démon. Il souffrait, il est emprisonné par la force du mal. Il y a des gens comme ça ici, dans ce monde, sur cette terre. Il y a des gens même qui vont à l'église, mais qui sont toujours emprisonnés, des totems, des venins, des sorcelleries, des familles et autres. Et voilà, parfois des choses que nous avons nous-mêmes cherchées dans la vie. Et on accuse Dieu. On accuse Dieu, mais ce sont des choses, des erreurs dans lesquelles nous-mêmes sommes entrés. Alors, bien-aimé, parfois, je dis parfois, alors cette personne était envahie par les démons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le simple fait qu'il soit présent dans ce lieu où était Jésus. Jésus enseignait avec autorité. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus enseignait avec autorité. Et le simple fait que cet homme-là, qui avait un esprit de démon impur, le simple fait qu'il était là, le démon n'a pas résisté à la présence de Jésus. Et la Bible dit que le démon avait crié d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Vous voyez, Satan confesse. Il confesse son échec. Je n'ai jamais vu de telle chose. Un ennemi qui confesse son échec avant même que le combat ne déclenche. Pourquoi? Parce que le combat a déjà eu lieu à la croix et Jésus avait gagné. Quelqu'un peut dire victoire. Jésus avait remporté la victoire. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je prêche à l'église du Seigneur? Jésus avait déjà remporté la victoire. Et la victoire de Jésus est notre victoire. Et le démon dit à Jésus, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Bien-aimé, le démon a témoigné. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors, bien-aimé, nous sommes les héritiers de Dieu. Donc, le démon reconnaît en nous. Bonzambe Zakatinabiso. Le démon reconnaît en nous, bien-aimé, que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, vous voyez ici, cet homme qui était possédé, il n'a rien fait. Mais la puissance de Dieu a agi. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, habitue-toi à la présence de Dieu. Il faut aimer la prière personnelle. Quand tu es dans le même espace que Dieu, quand Dieu envahit ton environnement, tu es sous la protection de Dieu. Si le Seigneur envahit l'environnement de votre maison, vous êtes sous la protection de Dieu. Si le Seigneur envahit l'environnement de ta conscience, il va influencer tes décisions. Il va influencer ta manière d'agir. Et tu seras toujours dans la direction de Dieu. Parce que l'initiative de la guérison, de la délivrance, dans ce texte, nous l'avons vu, est venue de Jésus lui-même. Donc le démon a exprimé déjà son désarroi par des cris. Ça s'est manifesté par les cris. Et il a révélé l'identité de Jésus comme étant le Saint de Dieu. Et il a confessé sa perte. C'est ce qui arrive, bien-aimé, quand nous sommes à l'endroit là où est Dieu. Si tu veux être à l'endroit où est Dieu, c'est dans sa parole. Dans la parole, dans sa parole. Donc la guérison qui est venue après, bien aimé, ce n'est que l'autorité de Jésus-Christ qui s'est manifestée. L'autorité, parce que Jésus a menacé cet esprit, il dit, tais-toi et sors de ce temps. Si tu es dans la prière, dans l'attitude de prière, si tu cherches le Seigneur, bien aimé, Jésus va faire taire. Va faire taire tout esprit qui ne confesse pas son nom. Revoyons un autre texte, encore toujours l'initiative de la prière venant de Jésus, l'initiative de la guérison, pardon, venant de Jésus. Luc chapitre 6, versets 6 à 11.
Luc chapitre 6, le verset 6 à 11. La Bible dit, il arriva un autre jour de sabbat. Toujours le sabbat. Toujours le sabbat. Le Seigneur brise les lois du sabbat. Il brise les lois du sabbat. Le sabbat, c'est l'interdiction. Le sabbat, ce sont les portes fermées. Le sabbat, bien aimé, c'est la loi. C'est fermé. Nous ne sommes plus sous la loi. On est délivré. On est délivré de la loi. Et cela n'est pas conditionné par un homme. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Nous ne sommes plus sous la loi. Alors la Bible dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent tous remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Bien aimé, ça se passe dans la synagogue, le jour du sabbat. Et cet homme-là était là. Il ne faisait que suivre les instructions de Jésus. Il ne faisait que suivre tout ce que Jésus lui disait. Jésus lui demande de se tenir debout, il se lève. Jésus lui dit d'étendre sa main, il le fait. Et voilà qu'il retrouve l'usage de son bras. Bien-aimé dans le Seigneur, l'initiative de la guérison vient de Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Qui est Jésus? Il est le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, reçois Jésus dans ta vie. Et tu seras sauvé. Tu seras pardonné et sauvé. Tu seras sauvé. Tu vas hériter le salut et le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons la femme. La femme infirme depuis 18 ans. Luc chapitre 13. Les versets 10 à 17. Luc chapitre 13, les versets 10 à 17. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme a été remarquée par Jésus. Elle était dans la synagogue, mais elle n'est pas venue se présenter vers le Seigneur. Elle a été remarquée par Jésus. Voilà pourquoi je dis souvent, on peut être des milliers à aller à l'église, mais nous ne sortons pas de là de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun vient avec sa foi. Chacun vient avec sa manière. Il y a des gens, même quand ils vont à l'église, on a prié, prié. À la fin, tu vas voir cette personne toujours en train d'attendre un serviteur de Dieu. C'est comme si ce qui venait de se passer là, ce n'était pas trop ça. Mais moi, je veux que ça soit direct, qu'on m'impose la main, qu'on dise, bien-aimé, nous voyons dans ce texte, la femme infirme depuis 18 ans, elle a été constatée par Jésus, remarquée par Jésus. Et si tu crois que Jésus est vivant, qu'il est le sauveur du monde, qu'il est ressuscité, quand tu es dans le temple, crois que Jésus est à tes côtés. Et à l'école de dimanche, nous chantions, Dieu devant moi, Dieu derrière moi, à mes côtés, alléluia.
Si tu crois que Jésus est vivant, crois qu'il est dans ta maison, crois qu'il est là en ce moment pendant que je prêche, il est là, je parle à toi, toi qui écoutes. Oui, je parle à toi, disons à vous, vous qui écoutez, je parle à toi, bien-aimé. Jésus est là, il t'entend, il te voit, comme il a fait à cette femme. Vous voyez, bien-aimé, l'initiative de la guérison est venue de Jésus. La femme ne s'est pas exprimée. Jésus l'a vue dans la synagogue et il a déclaré la parole. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Laisse le Seigneur faire son travail. Il est vivant et en son temps, il agira. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je vais terminer avec ce texte. Toujours l'initiative de la guérison venant de Jésus. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, le verset 1 à 6. La Bible dit, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Encore le sabbat, toujours le sabbat. Et la Bible dit, ils gardèrent le silence. Alors Jésus avance la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Vous voyez, donc Jésus est dans une maison, de la maison de l'un des chefs des pharisiens. Il prend un repas. Et vous savez que les pharisiens observaient le sabbat. Jésus est là le jour du sabbat, toujours dans l'interdiction. J'aime le Seigneur. Il fait les grandes choses dans les situations bloquées. Il fait les grandes choses quand les saisons ne sont pas favorables. Donc, bien aimé, la saison qui n'est pas favorable pour toi sera favorable pour le royaume des cieux. Je répète et je prêche à quelqu'un. La saison qui n'est pas favorable pour toi sera favorable pour le royaume des cieux. Celle qui est souvent pas favorable pour toi est favorable pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi il faut savoir dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc là, c'est Jésus qui remarque cette personne. Il remarque toujours dans le sabbat, au même endroit, dans le sabbat, et c'est Jésus qui prend l'initiative d'avancer. Il commence à demander aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils n'avaient pas de réponse. C'était des hypocrites. Ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de réponse à donner. La Bible dit, ils gardèrent silence. Alors Jésus avança. Il avança la main sur cet homme et le guérit et le renvoya. Vous voyez, il le guérit et le renvoya. Deux choses, guérir et renvoyer. Quand Dieu te guérit, c'est dans le silence. Et il te renvoie, bien-aimé, la gloire de Dieu, afin que tu vives le témoignage avec Dieu. La gloire de Dieu, afin que ta foi puisse changer. Dieu fait les miracles aujourd'hui, ce n'est pas pour donner du buzz à un pasteur. Ce n'est pas pour donner du buzz à quelqu'un. Mais il fait des miracles aujourd'hui en vue que notre foi puisse augmenter. Il y a un miracle qui s'est passé récemment, ici, dans 20 minutes, dans la présence de Dieu. Cette personne m'a dit, pasteur, je veux témoigner. Quand j'ai dormi, le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, Gerdy, ne donne pas ce miracle. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, non, ne donne pas. Ne donne pas ce miracle. Je te préserve pour beaucoup de choses, Gerdy. Voilà comment Dieu m'a parlé. Gerdy, je te préserve pour beaucoup de choses. Je ne veux pas que tu tombes dans la renommée. Laisse que je sois le numéro un. Laisse, continue à m'élever. Continue à m'élever. Prêche ma parole, j'ai dit, prêche ma parole. Et je reconnais une chose, toutes les fois quand Dieu me parle, si j'insiste, je tombe dans le malheur. Et là, je dis, Seigneur, je me tais, que ta volonté soit faite. Et il y a des fois, il y a des gens qui m'appellent, qui ont des témoignages, qui donnent, je bénis le Seigneur. Cela m'encourage de continuer à prêcher, parce que je vois vraiment des miracles. C'est vraiment extraordinaire. Mais bien aimé, nous ne vivons pas pour le miracle, parce que les miracles nous accompagnent. Les miracles sont censés nous accompagner. Le salut est au-dessus de tout cela. Voilà pourquoi il faut prendre ton bâton de pèlerin et vivre l'épreuve de la foi. Jésus va te surprendre. C'est Jésus qui a toujours pris l'initiative. C'est Jésus qui a toujours surpris. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Maintenant, je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Que Dieu te bénisse. Si tu as un problème en ce moment, et que tu n'as personne à qui parler, aucun ami pour se confier, Jésus est là maintenant. Jésus-Christ est là. Il remarque ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur est là et il s'approche, comme il a fait pour ce paralytique. Jésus-Christ est là, bien-aimé. Jésus-Christ est là. Tu peux maintenant être en prière. Commence à prier, commence à prier. Ne dis pas qu'il est trop loin. Jésus-Christ est là. Mais entre seulement dans l'espace de Dieu. Commence à fréquenter la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Il va tracer un chemin dans ta vie. Commence à bâtir une relation forte avec le Seigneur. Ne dis pas qu'il est trop loin. Lève ta main et sois en prière maintenant. Ne dis pas que Jésus est trop loin. Ne dis pas qu'il n'entend pas. Ne crois pas qu'il n'entend pas ton cœur qui bat. Il est là, et sois en prière. Prie maintenant, prie, sois en prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci ce soir. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ce frère, de cette sœur, de cette famille. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui viens vers nous. Dieu Emmanuel, viens relever la foi de quelqu'un. Quelqu'un a perdu la foi. Viens toucher sa foi. Merci Seigneur pour le mystère de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Continue avec nous durant ce séminaire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.